Alors, yo tout le monde, je vous retrouve une toute nouvelle vidéo. Là, en fait, je reviens d'une session avec mon BMX de wheeling avec mes cafés. En fait, ceux qui sont intéressés par mon guidon, c'est sur un Mongoose de base. Donc, j'ai encore le 4, c'est un copain qui me l'a donné, donc le voilà, il est là. Là, si vous le voyez, il voit un peu l'arrière, puis on voit pas mal. Alors là, ce qu'on va faire, vu qu'en fait, comme un gros boulet, j'ai dévissé ma roue et mon guidon. Donc du coup, on va bien les revisser. Et après, on va aller faire une session. Attendez, je m'empêcherai parce qu'il fait chaud. Voilà. Donc voilà, hein, je passe, voilà. Donc c'est parti, on va prendre des clés qu'il nous faut. Donc la clé de 15 que j'avais tout à l'heure. La clé de 15 que j'avais tout à l'heure. Bah, je ne sais pas où elle est. Ça commence bien. Ça c'est vrai. Alors surtout ne faites pas comme moi. Je suis pas le bon exemple. Donc je suis pas mes exemples. Alors voilà. Je suis pas mes exemples, mais ne prenez pas une clé au hasard. Hein, parce que moi déjà j'ai fait que de la grosse merde. Autrement pour ceux qui sont intéressés par mon BMX, donc celui-là. Alors c'est un micmum et mélangé avec un Mongoose et avec un vélo tout pourri. Enfin il y a un truc d'un vélo tout pourri et puis un truc d'un vélo que j'ai récupéré comme ça pour me dévisser. Ah ben là. Hop, alors on va le dévisser. On va dévisser. Attendez, on installe, voilà. Donc là on va dévisser ce bout-là là, ici. Merde, ça se trouve que j'ai pas pris de bon, moi j'ai pas pris de bon que celui-là. Donc je me trompe tout le temps, hein, pour ceux qui veulent le savoir. Oula, j'ai même pas vissé mon boulon, moi je vois que je le visse à la main, je suis con. Hop, celui-là il est dévissé. Faut qu'on arrive à bien recaler la roue. Voilà. Elle est bien recalée, donc après je vais peut-être vous filmer une session. Si je suis chaud, je vous en filmerai une. Et voilà. De toute façon, là, j'envisse mon BMX. Et je vais faire la session. Donc, la vidéo là sera sortie un petit peu avant l'autre. Voilà. Là, c'est pareil. Hop, l'autre, on va la dévisser aussi. J'en ai vissé une de bonne sur deux. Hein, donc, ne faites pas comme moi, n'en vissez pas une bonne sur deux. Alors, moi aussi, attendez, je vais de céder, je vous parle. Hop, ah oui, donc moi aussi je vous disais, moi en fait j'ai mis des rondelles sous les côtés, même à l'arrière. Et aussi pour ceux qui veulent savoir comment faut serrer sa chaîne, faut pas me faire comme, faut faire un peu moins que moi. Parce que moi elle a presque pas du tout de jeu. C'est pas bien parce que ça peut lâcher à tout moment. Donc encore une fois de plus, je suis pas le bon exemple. Il y a du bordel partout, c'est génial. Alors oui aussi mon pneu. Il est un peu défoncé, voilà. Alors, je vais remonter mon guidon. Je crois qu'il faut aussi un peu ranger. Hein. Donc là, oui, il y a bien un amortisseur de scooter. C'est de ce coup scooter. Peut-être qu'on fera une vidéo avec ce scooter. On verra, c'est un peu joli, dis. Hein. C'est un peu de la merde, mais c'est bien pour débuter. Alors... Je sais plus laquelle j'ai plus moi, attends, je crois que c'est celle-là. Ouais, ça doit être. Non. Si, je vois, ça doit être celle-là. Attendez, je vais prendre l'autre. Je vais essayer d'en prendre un. Alors, ceux qui veulent faire un atelier comme moi, vous voyez, j'ai pris mon cabanon, j'ai un peu nettoyé, j'ai un peu rangé. Et après, bah, j'ai fait tout le bordel. Hein. J'ai commencé à ranger un peu là, pour mettre les caisses à outils. Là, j'ai sorti un truc de vélo. Ah, putain, c'est dur de dévisser cette merde. Qui c'est qui l'a vissé comme ça? C'est bien moi, c'est moi bien sûr, comme d'hab. Hop, faut bien la dévisser. Alors moi, je vais aller sur mon petit parking, comme d'hab, je vais faire une petite session. Petit parking au KLM. Alors peut-être qu'aujourd'hui, il y aura peut-être 3 vidéos qui vont sortir. Oui, j'ai bien 3 vidéos. 3 vidéos, je dis bien ça. Et j'ai plus que 20% de batterie. Donc du coup, en attendant qu'elle sorte, en attendant que ça se recharge. Mon BMX, bah, il va rester ici.
vu que mon téléphone, je viens de voir qu'il n'y a plus que 20% de batterie. Alors, pour savoir qui veut, ceux qui veulent savoir j'ai quoi comme téléphone, alors j'ai un iPhone 4S. Je vous dis bien, c'est mon premier iPhone. Derrière, je l'ai un petit peu pété, hein, je vais pas vous le cacher, mais un petit peu. C'est pas mon premier iPhone. Enfin, si, c'est un premier iPhone avec un bouton. Parce qu'en fait, j'ai un gars, il m'a donné un iPhone 4S tout défoncé qui avait pas de bouton. Donc du coup je l'ai récupéré, il m'a bien servi pendant un bon petit bout de temps quand même, je dis bien pendant un bon petit bout de temps. Après donc mon père j'en ai retrouvé un, mais vu que ma carte SIM elle passait pas dedans, bah du coup ça m'a énervé, donc du coup je l'ai balancé dans tous les sens. Donc du coup il marche plus. Bah, je sais même, mais si je, il marche, non il marche même plus, je sais même pas où il est. Hein, je vais pas vous le cacher, je sais même pas où il est. Je l'avais pété devant chez un pote, je crois, qui lui ne le sait même pas que c'était un de mes téléphones. Attendez, j'essaie de vous poser. C'est toujours pareil. Donc j'ai un planning aussi pour sortir les vidéos, donc ce sera une le mercredi après-midi, une le samedi matin et une le samedi après-midi, et puis peut-être une le lundi. Et après, bah, on verra. Je vous le redirai en commentaire. Alors, ceux qui aiment bien quand je fais ça, la prochaine vidéo, après avoir fait ma séance, alors je vais vous présenter mon BMX. Donc, voilà. Moi, je vous propose ce BMX pour débuter parce qu'il est bien, il est pas cher et il n'y a pas beaucoup d'entretien à faire. Enfin, pas beaucoup, un peu quand même. Mais c'est pas mal, non. Je sais pas, je me fais avoir par ce guidon de merde. Voilà, comme ça. Donc voilà, donc je vais vous filmer une session. Enfin, je vais essayer de vous filmer une session. Enfin, pour l'instant, je vais déjà vous sortir cette vidéo. Alors, je vais faire des réseaux sociaux sur. Je vais faire mes réseaux sur Facebook, Messenger et Instagram. Alors, je vous mettrai tout ça en espace commentaire. Je vous mettrai dans l'espace description plutôt. Je vous mettrai tous mes commentaires. Aussi, il y a un truc qui me sert. C'est une application pour faire des montages sur votre téléphone. Et qui me sert pas mal quand même. Bah, je vais pas faire des intros parce que les intros, c'est casse-couille à faire. Ça fait chier aussi. C'est pour ça que je vais pas en faire. Donc vous verrez jamais d'intro sur ma chaîne. Que les intros déjà ça me casse les couilles parce que tu dois attendre 20 ans avant de voir la vidéo. Voilà, hein. Donc peut-être que si j'ai des abonnés, j'essaierai de faire une rencontre abonnée sur Saint-Méloire. J'essaierai de voir pour faire une rencontre abonnée ceux qui sont sur Saint-Méloire. Et voilà. Alors là, c'est la première vidéo, je crois. Ça doit être ça, tout dans le genre. Après, faut que je regarde parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu ma chaîne, alors voyez. Donc là, je vais aller brancher un peu mon téléphone. Et après, je vais refaire une autre vidéo. C'est que je vais faire du stunt. Enfin, un vélo, je sais pas si ça s'appelle du stunt, je sais pas comment ça s'appelle. Bah, ceux qui le savent, mettez-moi en commentaire comment on dit pour faire du stunt en vélo. Parce que déjà, je sais que le stunt, c'est pour les motos. Et voilà. Autrement, ceux qui voudront savoir comment j'ai commencé le BMX et les wheeling, je vous dirai ça dans la prochaine vidéo ou sur mes réseaux sociaux. Voilà. Ça là, j'ai bien vissé ma roue. Je vais quand même regarder parce que j'ai pas envie de me casser la gueule sur le machin. Hop, ça c'est bon, ça c'est bien vissé. Alors, on va regarder vite fait si mes boulons sont bien serrés, s'il faut pas que je les resserre encore une fois. Non, c'est bon,
Bon, Pace, et on se retrouve tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Salut, Pace.